السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا جميعا من النار. Donc الحمد لله. Donc j'avais prévu normalement de faire la page entière pour le tafsir, mais le temps m'a manqué parce que comme tu vois c'est une histoire tellement importante entre Adam et Ève, il y a tellement de fawaïd que je me suis laissé emporter un peu par mes émotions. Donc inchallah aujourd'hui on va terminer la page. Mais comme on a dit, l'important, ce n'est pas que les informations qu'on va avoir par rapport aux différents versets, savoir telle ou telle chose ou tel détail. Parce qu'en vérité, quand on voit dans les tefsirs, c'est beaucoup des détails par rapport aux informations qu'il y a dans les versets. Je n'entends pas. Vous entendez-vous? Salam alaikum. On entend. Ouais. Donc, le problème, il doit venir de vous. Des fois, quand c'est la première fois que vous connectez, enfin, je ne sais pas, il faut appuyer des fois sur joindre l'audio par Internet, un truc comme ça. Non. Donc, je disais quoi? En fait, l'important, c'est pas… Voilà, on trouve beaucoup de détails. Ça, c'est important. Mais en fait, quand on voit dans les livres de tefsir, ce n'est pas du tout un reproche, mais c'est beaucoup des détails, c'est des informations. Dans les livres de tefsir, on trouve des informations pour nourrir donc notre cerveau. Après, il y a une autre étape qui est ce qu'on appelle tadabbur, où là, on essaie de se trouver les fawaïd, les leçons spirituelles des versets. Mais ça, ce sont deux approches différentes. D'accord? C'est pour ça que souvent, les savants nous disent qu'il y a une différence entre le prédicateur et l'enseignant, entre da'i et l'alim. Après, c'est pas du tout un reproche d'être un prédicateur. C'est la meilleure des choses. Appeler les gens vers Allah Azza wa Jal en traitant des sujets qui sont connus de tous. Parce que le Coran, il y a, en fait, on nous dit qu'il y a deux types de méditation. Il y a la méditation simple, on va dire, tadabbur al-am, et la méditation détaillée. Que ça, vraiment, les savants qui connaissent la théologie et aussi ceux qui connaissent… qui ont d'autres sciences, que ce soit la sociologie, la psychologie, que ce soit n'importe quelle science, eh ben, ceux qui ont un tahassous, qui ont une spécialisation, ils vont trouver dans le Coran des choses que des gens qui sont pas spécialisés ne verront pas. Et ça, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. C'est bon, alhamdoulillah. Naam. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a toujours ces deux paramètres qu'il faut… Et vous savez, dans l'islam, dans le hadith de Jibril, il y a… qu'est-ce que c'est l'islam? Qu'est-ce que c'est l'iman? Donc ça, c'est par rapport à notre conception des choses invisibles, notre conception d'Allah, notre conception des anges, conception des livres, conception du destin. Ça s'appelle l'aqida. Donc dans l'aqida, il y a des choses globales et il y a des choses plus en détail sur lesquelles il y a des divergences, mais qu'on doit traiter de manière apaisée. Ensuite, qu'est-ce que c'est l'islam? Ça, c'est les choses apparentes, donc le fiqh, comment on prie, comment on jeûne. Et comme on sait, le Coran n'est pas essentiellement basé sur ça.
on dit qu'il y a 500 versets qui parlent des ahkam, du halal ou haram. Mais c'est important aussi. Et qu'est-ce que c'est l'ihsan, la foi parfaite? Ça, c'est donc la science de la spiritualité. La science qui te permet vraiment de t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Les trois aspects sont importants. On ne doit pas négliger, parce que ceux qu'on appelle soufis ou ceux qui se concentrent que là sur la spiritualité ont tendance à négliger les notions de aqida, de fiqh, etc. Mais tout est important. Et on remarque que dans le tafsir, on retrouve ça. Bon, on commence, inshallah. Donc, on est arrivé au verset, combien ? Au verset 34. Il y a les bruits, là. Wa iz qulna. En premier, c'est wa iz qala rabbuka, ici, wa iz qulna. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin. Donc ici, on va parler du sujoud. Naam, le sujoud. Donc, et parmi les fawa'id, justement, c'est que, comme on a vu que les anges, ils ont posé la question, mais pas du tout par rébellion. Mais ils ont pensé que s'il y avait un khalif sur terre, ça aurait été eux, et non pas un être humain qui, potentiellement, va faire le désordre sur terre. Et Allah Azzawajal les a éprouvés, comme on a dit, quand une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala pense être meilleur, parce que ça, les savants, c'est pas moi qui ai fait la déduction, les savants, ils nous disent, c'est comme Moussa alayhi salam, comme Allah a éprouvé Moussa alayhi salam de la même manière. Parce que les gens ont demandé à Moussa, qui est plus savant que toi? Naturellement, il a dit, personne n'est plus savant que moi. Donc Allah l'a éprouvé, il lui a dit, va, tu vas trouver un serviteur qui connaît mieux que moi. Et on connaît l'histoire. Et ça a été une épreuve pour lui. Donc on connaît l'histoire. Et donc là, c'est la même chose. Et ici, on peut tirer comme faïda que lorsque Allah nous demande une chose, de faire une chose dont on ne connaît pas la hikmah, c'est ça qui est difficile. Les anges, vu que eux, ils ne peuvent pas désobéir, donc ils ont obéi. Mais Iblis, qui s'appelait comment ? Azazil, qui veut dire el-Harith. Azazil, c'est en langue syrianique, et en arabe harith, c'est-à-dire l'héritier. Bref, il avait demandé dans des hadiths, il cite, quand Adam avait été créé, si jamais on vous demande de lui obéir, qu'est-ce que vous allez faire? Les anges ont dit, nous, on va obéir. Et lui, en lui-même, Iblis, il a dit, moi, jamais je lui obéirai. C'est pour ça qu'Allah, il a dit, a'lamu ma tubdoun wa ma kuntum taktumun, et il sait ce que vous cachez, en parlant d'Iblis. Et donc ça, c'est très difficile. On ne connaît pas la hikmah. Pourquoi Allah nous demande ça? Parce que quand on sait pourquoi Allah nous demande, c'est plus facile. Mais quand on ne sait pas pourquoi, on a tendance à vouloir poser des questions et à chercher des excuses. Comme Iblis, on est... Ah oui, j'ai oublié. Il y avait les 15... Les 15 preuves que l'excuse de Iblis était bidon. Comme quoi le feu est meilleur que la terre. Naam. Face à Jadou, eux, ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés. Et donc, la prosternation, c'était une prosternation de... on nous dit que c'était une prosternation de... Une inclinaison, ce n'était pas avec la face contre terre. C'était une inclinaison de salut, comme c'était légiféré avant l'islam, comme par exemple avec Youssouf alayhi salam, ils ont fait une prosternation de salutation, comme on connaît. Donc ici, il y a un hadith. Pareil, hein, c'est pas ma déduction. Hein. On trouve ça dans Ibn Kathir. Il a cité le hadith. Vous savez, Mu'adh ibn Jabal, il était revenu de Shem, de la Syrie, de la région de la Syrie. Il avait trouvé que les gens se prosternaient devant leur roi. Donc lorsqu'il est venu, lui, il s'est prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De lui-même, comme ça, il s'est dit, si eux, ils le font, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus en droit qu'on se prosterne devant lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, non, ne fais pas ça. Il a dit, لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه
عليها. ce hadith là, les féministes ils vont pas apprécier. Rapporté par Tirmidhi, le hadith nous dit ne te prosterne pas devant moi. Si je devais ordonner à un être humain de se prosterner devant un autre être humain, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari par les grands droits que l'homme a sur la femme. Juste pour comprendre que le droit de l'homme que l'homme a sur la femme est immense. Et on va voir ça aussi par rapport à la création de Ève qui a été créée de la côte de Adam. Elle a été créée à partir de Adam pour Adam. Mais bien entendu, le but, c'est d'avoir une bienveillance réciproque, hein, etc. Ça, c'est bien entendu. Donc, Fasa Jadou, Illa Iblis Abba, Wastakbara, Wakana Minal Kafirin. Donc, par rapport au soujoud, on peut ajouter que, en fait, bien entendu, donc, le soujoud était. L'obéissance est pour Allah, la prosternation pour Adam, et l'obéissance, c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on nous dit qu'en fait, ils ont dû se prosterner devant Adam, comme on se prosterne devant la Kaaba, comme une qibla en fait. C'est-à-dire que Adam, c'était la qibla, mais c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, au même titre qu'on se prosterne en direction de la Kaaba. Et on va voir aussi que tous ces passages-là, toute cette page qu'on est en train de citer, tout ça, c'est les différentes manières par lesquelles Allah a élevé Adam. Akrama Adam. Comme Allah dit dans Sourate Isra, wa laqad karramna bani Adam. Nous l'avons anobli, nous l'avons élevé. D'accord? Et ici, tout ce qui est dit ici, inni ja'ilun fil ardi khalifa, Allah a élevé Adam par la science, la connaissance des noms de toutes choses. Ensuite, il demande aux anges de se prosterner devant lui. Ensuite, il lui dit, va dans le paradis et mange tant que tu veux. Etc. Tout ça, c'est les preuves que Allah Azza wa Jal a élevé Adam. Et ceci est exprimé par la façon dont Allah a dit quand justement Iblis a refusé de se prosterner devant Adam, car vous savez que ce passage-là est cité dans plusieurs versets, notamment à la fin de Sourate Sad. Allah dit Ma mana'aka an tasjuda lima. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Ici, ma, normalement, c'est pour quelque chose qui ne réfléchit pas, mais dans le Coran, pas toujours. Il faut comprendre ça. Lima khalaqtu biyadai, pourquoi tu ne te prosternes pas devant celui que j'ai créé de mes deux mains? Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques, mais je vais vous dire, j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet. Pas de ma réflexion, mais j'ai lu les différentes parties. Et j'ai fait une vidéo en arabe sur ça qui dure une heure. Celui qui la regarde, qui comprend l'arabe et qui la regarde, normalement, il va savoir ma position clairement et normalement, c'est clair. Et ce n'est pas pour dire, mais ce que j'ai dit là, on ne le trouve pas beaucoup dans les livres présentés de cette manière-là. Je vous présente la chose très simplement. Pour sortir de... Je ne vais pas prendre la position des Ash'ari, ni la position des Salafis, ni rentrer dans ça. Écoutez ce que je dis et dites-moi si ce n'est pas quelque chose de... qui est plus proche de la fitra, de la sainte nature. Quand Allah nous dit que, déjà, il faut comprendre le contexte. On est en train de parler, Allah, il est en train de nous parler d'une histoire, là, une histoire du début de l'histoire de l'humanité. D'accord ? Ce n'est pas un dars de aqidah. Donc, il faut rester dans le contexte de l'histoire. Et Allah dit, et reproche à Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes deux mains ? Devant celui que j'ai créé de mes deux mains. Je vous pose une question. Quelle information on tire de cette information, de ce verset? De deux choses l'une. On peut tirer comme information que Allah a deux mains. Soit le verset évoque cela. Mais on peut tirer aussi comme information que Allah Azza wa Jal a créé Adam de ses deux mains. On pourrait dire d'une autre manière, pas que d'une seule main ou pas seulement créé tout court. Non, il a créé de ses deux mains. Et quand tu regroupes le Coran, comme on vient de dire, les versets avec les autres, que Allah a honoré Adam. Donc les savants, ils nous disent, pas les savants, c'est pas mon interprétation. Si tu serres la main à quelqu'un avec une main, tu dis salam alaykoum avec une main. Ou alors tu dis salam alaykoum avec deux mains. Ou alors tu donnes à quelqu'un, hop, un stylo avec une main, tiens. Ou alors tu lui donnes avec deux mains.
n'y a pas une différence. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla, quand tu donnes avec deux mains, ça veut dire que tu donnes avec respect et avec bon cœur, etc., etc. Et ça, et comme j'ai expliqué dans la vidéo, les Arabes et dans toutes les langues, il y a des figures de style, il y a des manières de s'exprimer. Si tout était, et les savants, ils ont dit, si tout était clair, ça manquerait de goût dans l'expression. D'accord? Et quand on apprend dans la science de la rhétorique, on te dit que, je vais vous dire deux phrases. J'ai honoré le fils d'Adam. C'est une phrase, la phrase elle est claire. Là, il n'y a pas de divergence. J'ai créé Adam de mes deux mains. Quelle est la phrase qui est la plus, on appelle ça « al-quwa fi ta'thir » qui a plus de force dans l'éloquence. Quand tu dis une phrase imagée et quand tu dis une phrase claire. Donc voilà, c'est juste ça. Mais le but du Coran, bien évidemment, ce n'est pas de rentrer dans des polémiques qui durent depuis des siècles et ce n'est vraiment pas mon objectif. Non. Mais tout ça pour dire que Allah Azza wa Jal a élevé le fils d'Adam. Donc, ça, j'adou, il l'a iblis, Abba, wastakbara. Donc, Abba, ça veut dire il a refusé. Wastakbara, il s'est gonflé d'orgueil. L'orgueil, c'est encore un grand sujet. L'orgueil, c'est un grand sujet. Mais les savants nous expliquent que l'orgueil, c'est une maladie du cœur. Donc, qui dit maladie du cœur, dit quelque chose d'invisible. C'est pas tu as des boutons sur le visage ou tu n'arrives pas à respirer ou tu n'arrives pas à marcher, tu es fatigué. Non, ça ne se voit pas. Donc, la personne, comment il a dit? Il a dit une belle phrase. Al-kibru maradun nafsi a'adana Allah wa iyyakum, qu'Allah nous préserve. Une maladie intérieure. Lidhalika qad yadhhar qad la yadhhar atharuhu 'ala al-'abd. Alors que donc la yadhhar qad la yadhhar atharuhu 'ala al-'abd. Si ça se trouve, tu vas pas t'en rendre compte. Tu ne sais même pas que tu es orgueilleux. Et en général, quelqu'un, tu vas être orgueilleux, il va dire non, pas du tout. Je ne suis pas orgueilleux. Et comme on sait, le prophète sallam a donné la définition. L'orgueil, c'est batrul haq wa ramtun nas. Refuser la vérité et mépriser les gens. Ce n'est pas d'avoir des beaux habits, des belles chaussures, etc. D'accord? Allah est beau, il aime la beauté. Idan la yadri annahu halikun mardoudul amal. Donc la personne, elle ne sait même pas qu'elle est dans la perdition et que ses actions sont refusées. Et la preuve, c'est que Allah Azza wa Jal a montré le kibr de Iblis au dernier moment en faisant ce type mtihan, en demandant de se prosterner devant quelqu'un qui a été créé de terre, soi-disant que la terre est moins bien que le feu. Mais ça, Iblis, il a dit cette excuse par, on appelle ça inad, par mauvaise foi. Parce que soi-disant, il a de la connaissance, soi-disant, il fait marcher son intelligence. Il dit, mais attends, moi, je suis créé de feu, lui, il est créé de terre. Et on a donné des exemples, hein, des preuves que la terre, en vérité, est mieux que le feu. On a donné des exemples dans la vidéo dernière. Il en reste encore, mais là, je n'ai pas sous les yeux. D'Ibn al-Qayyim, dans le livre d'Ibn al-Qayyim. Donc, Abba, wastakbara. Et en général, l'orgueil, ça touche les savants. Et ça touche les adorateurs. Quand tu commences à faire beaucoup d'adoration, tu commences à être bien dans la religion, alors le frère, il porte la barre, il porte le kamis, la femme, elle porte le djilbab. En général, c'est là que l'orgueil y rentre. Et ça, c'est très dangereux. Donc, parce que Iblis, c'était quelqu'un, comme on le répète, il avait de la connaissance et c'était un grand adorateur. Et c'est par là qu'il a fauté et à cause de ça qu'il s'est gonflé d'orgueil. Fakana min al-kafirin. Ça, c'était dans la science d'Allah. Azza wa Jal savait déjà depuis tout ce temps-là qu'il était et qu'il allait finir comme ça. Qu'Allah nous préserve. Donc ça, c'est une grande leçon. Wakana min al-kafirin. Wakulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Donc ensuite, Allah a dit à Adam et Ève, donc avant de traiter ce verset, il y a aussi, on a parlé d'Adam. Donc il y a un point à traiter. Donc les savants nous parlent d'Adam, sa description physique, il était grand de taille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, mithlu nakhlatin sahouq. Sahouq, ça veut dire très grand. D'accord? Ça veut dire éloigné en fait. Quand on dit suhqan, ça veut dire qu'il soit éloigné. Sahouq, quelque de très grand. Dans certains versets,
min makanin sahiq. Celui qui est associé à Allah, c'est comme si il était attrapé par un oiseau dans le ciel ou qui tombait d'un min makanin sahiq dans sourate Hajj. Et très grand de taille et il a décrit sa chevelure comme un palmier. C'est comme si yani comment à vous de voir quoi, des cheveux comme un palmier, d'accord, on pourrait dire comme si c'était des rastas, etc. Et on nous dit dans certains hadiths, il nous disait qu'il avait des tresses en fait, deux grosses nattes ou quelque chose comme ça. Et Adam, donc la signification de Adam, donc il y en a plusieurs. Soit ça veut dire min adim il ard, ça veut dire de la surface de la terre, il a été créé, adim il ard. Ou alors parce qu'il était Adamul Laun. Et Adamul Laun, ça veut dire une couleur qui ressemble à la mienne, c'est-à-dire Samra, donc noir. Ça, c'est, il n'y a pas de khilaf sur le fait que Adamul Laun, ça veut dire quelqu'un de noir. Mais ce n'est pas la seule explication du mot Adam. Soit Adam, ça veut dire par rapport à sa couleur de peau, il a été appelé comme ça, soit parce que c'est. Il a été pris à 10 000 ard, la surface de la terre. Donc, si on prend l'explication que c'est la surface de la terre, donc rien à voir avec sa couleur de peau. Rien à voir avec sa couleur de peau. Mais voilà, c'est ce qu'on peut dire. Après, il y a des savants, donc ce soir, il n'y a pas de khilaf, mais au moins, après, bien entendu, quand on parle de cette question, les savants, ils vont nous dire que est-ce que c'est si important de ça, de savoir que Adam était noir ou pas? Ce n'est pas très important. Mais au moins, moi, vous savez, c'est un sujet qui préoccupe en ce moment beaucoup de gens avec le sujet des kémites, etc. Je pense que certains connaissent ce sujet-là. Mais au moins, comme a dit un savant palestinien d'ailleurs, bah, alors que dans les pays arabes, on sait, on ne va pas se mentir, il y a quand même du racisme vis-à-vis, parce qu'il y a des noirs dans les pays arabes, en Algérie, Tunisie, en Palestine, en Arabie, et tout ça. D'accord? Et il a dit à la fin, au moins, les femmes, les hommes et les femmes noires, et surtout il parle des femmes noires, elles vont layan dubu hadhum. Au moins ça régule un peu les choses. On se dit bon ben voilà, le premier homme était noir, bon ben voilà, bon, au moins tout le monde se respecte. Le blanc a le droit à son respect, le noir a le droit à son respect, et en vérité tout le monde. On va pas faire du peace and love ou du gauchiste, hein, mais toutes les créatures sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le blanc aux yeux bleus, il a été créé par Allah azza wa jalla. Le blond, il a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est beau. Le noir, il est beau, la blonde aux yeux bleus, elle est belle. Subhanallah, les créatures d'Allah sont belles. On va pas faire le peace and love, mais c'est la vérité. Tout est créé, l'Indien, le Chinois, tous, ils ont été créés par si on a de l'amour pour Allah Azza wa Jalla, on aura de l'amour pour les créatures d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et on va respecter tout le monde, d'accord. Et on pourra, normalement, on devrait tellement aimer les autres que tu pourrais être fier même, tu vois, si tu as une fille, tu la maries à un Chinois, tu seras fier, hein, parce que les Chinois, ils ont leur histoire, ils ont, tu vois, tu la maries à un Français, tu es fier, parce que voilà, parce que les Français, ils ont leur histoire, etc. Il n'y a pas de... Et Allah, il dit cela, « وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا » pour que vous vous connaissiez les uns les autres, et que vous sachiez les qualités qu'il y a chez chacun. Non. Ensuite, donc, Allah l'a dit, « Allez au paradis, » comme vous voulez. On peut tirer comme faïda de cela que le halal, on pourrait dire c'est 90% ou plus de ce qui nous entoure. Ici, au paradis, ils pouvaient manger comme ils veulent. Raradan, ça veut dire wasi'an la hajarafi. Yani, le hajar, ça veut dire que tu t'es bloqué de rien. Tu peux profiter de tout ce qu'il y a dans le paradis. Sauf cet arbre-là, un arbre. Hadhihi shajara. Ne touchez pas cet arbre-là. Donc, on tire comme faïda que le halal, c'est la majorité. Le halal, c'est très peu. On tire aussi comme faïda que un seul péché, c'est très, très grave. Après, on ne rentre pas dans le problème des tekfiris, ceux qui rendent les gens mécréants par la désobéissance. Mais quand on analyse bien la désobéissance, c'est quelque chose de très grave. Parce que c'est ça rentre dans le tawhid en fait. Allah Azza wa Jal t'a ordonné quelque chose et toi tu désobéis. De deux choses l'une, soit t'obéis à Allah, soit t'obéis au shaitan. Et l'obéissance au shaitan c'est du shirk. Comme Allah a dit dans surat An'am,
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Allah dit que les diables vous font des waswas pour vous faire pour polémiquer avec vous. Et si vous leur obéissez, vous êtes du mushrikin. Ça s'appelle shirk al-ta'a, le shirk de l'obéissance. Et dans sourate Yassin, Allah nous dit: Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan. N'est-ce pas, ô vous les enfants d'Adam, que j'ai pris l'engagement avec vous que vous n'allez pas adorer ash-shaytan? Innahu lakum aduwwun mubin, car il est pour vous un ennemi clair. Mais adorer, ça ne veut pas dire qu'on se prosternait devant lui, mais ça veut dire qu'il y avait l'ordre d'Allah d'un côté, l'ordre de Iblis d'un côté, et nous on a obéi à Iblis. D'accord? Mais bien entendu, une désobéissance à Allah ne te fait pas sortir de l'islam, bien entendu. Mais ici, alors l'arbre, dans les tefsirs, on va nous dire c'était une vigne, il y en a qui vont nous dire c'était tel arbre, tel. Bien évidemment, écoutez cette phrase qui a été dit: وَذَلِكَ عِلْمٌ إِذَا عَلِمَ عُلِمَ لَمْ يَنْفَعْ الْعَالِمَ بِهِ عِلْمُهُ. Cette connaissance de quel arbre c'était, c'est une science que celui إِذَا عُلِمَ لَمْ يَنْفَعْ الْعَالِمَ بِهِ عِلْمُهُ. الْفَاعِلِ ici c'est العلم. العلم لا ينفع. هذا ليس علما نافعا. C'est pas une science utile de savoir c'était quel arbre exactement. المهم c'était un arbre dont le fruit il fallait pas manger. وإذا جهله الجاهل لم يضره جهله. Et si on connaît pas c'était quel arbre, eh ben c'est pas grave. Ça ne te fera aucun mal. المهم c'était un arbre qu'il fallait pas toucher. Et ils l'ont touché quand même. Dans le Coran, on précise que c'est Adam qui prend la responsabilité. Même si dans les tefsirs, on dit que c'est Ève qui avait mangé de l'arbre, etc., et qu'elle a donné à El-Muhim, parce que les chrétiens, sur ce point-là, ils mettent tout le poids sur la femme. El-Muhim, les deux sont responsables. Naam. Et donc, « Wa la taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. » Azallahuma, ce mot il peut avoir deux sens. Il y a deux lectures. Il y a la lecture qira'at Hamza qui dit fa azallahuma, c'est-à-dire qu'il les a écartés de cet arbre, shaitan. Et la lecture de Hafs, azallahuma, de zalal. Azalal, c'est un glissement, une erreur. Azallatun, c'est un glissement dans le sens de faire une erreur. Il les a poussés à l'erreur. Fa azallahuma shaitan. Azallahum. En arabe, quand on dit, quand on rajoute le Hamza là, je crois que c'est Hamza de Ta'diya, c'est comme par exemple, tu vois, les exemples ne vont pas me venir en tête, mais c'est comme manger et faire manger, d'accord? Dormir, faire dormir, d'accord? C'est ça. Il les a fait tromper. Azallahouma. On aurait pu dire aussi istazallahouma. Dans d'autres versets Ali Imran, innamastazallahoumou shaytan. Non. Des fois, en matière de conjugaison, des fois, c'est la même chose. Des fois, le sin, il rentre dans le ta et ça donne la même chose, c'est le même sens. Fa'azallahouma. Aïwa. Il reste 10 minutes. Fa'akhrajahouma mimma kana fi. Et il les a fait sortir de là. Pourquoi? Parce que, en fait, Iblis, il a juré par Allah, d'accord, que ce qu'il disait, c'était la vérité. Et eux, Adam et Ève, ils ne pouvaient pas concevoir que quelqu'un jure par Allah et il ment. Et donc, on tire aussi comme faïda que les ruses du diable, elles sont très dangereuses. Parce que ça, il peut passer par le fait de jurer par Allah, passer par la religion, ça peut passer par le Coran et la Sunna. C'est pour ça que quand on commence à réciter le Coran, on dit « A'udhu billahi minash shaitan rajim » même avant de lire le Coran. Parce qu'on peut lire le Coran, mais shaitan continue à essayer de nous tromper. Et comme les chrétiens aussi, ils disent avant de lire la Bible, il faut avoir l'Esprit Saint, etc. C'est le même principe. Parce que si on lit le Coran sans avoir la pureté de l'âme et si on n'a pas une âme pure, ben on peut ne pas comprendre. Comme on a cité auparavant, avec le même exemple, Allah il égare des gens et il guide des gens. Non. Donc les ruses de Shaitan, elles passent parce que l'être humain, il aime bien. Justement, quand on parlait du sujet des Kémites, le sujet racial, c'est un point
de prédilection que le shaitan il aime. Il n'y a rien de tel que d'appuyer sur la corde du nationalisme pour faire sortir les gens de l'islam. On peut faire ça avec les Noirs, comme en ce moment avec les Kémites. On peut les faire avec les Kabyles en Algérie en leur disant oh, « vous n'êtes pas des Arabes », etc. On peut faire ça en Afrique, on le fait, ouais, la religion des Arabes, etc. Et donc, c'est très facile ça. On peut faire ça avec les Asiatiques, même les Européens, on en entend aujourd'hui. J'ai entendu des gens, des frères convertis européens qui disent ah, « finalement, moi, je préfère retourner à la religion des Grecs, de mes ancêtres, je ne veux pas la religion des Arabes ». Donc, les pièges de Shaitan sont très nombreux. Ibn Qayyim a écrit un livre, « Telbis Iblis », où il cite tout ça en détail. Naam. Donc, je disais qu'il les a fait tomber de là. « Wa qulna ihbitu » et on leur a dit « descendez ». Après, il y a une question qui est un peu compliquée par rapport au fait de savoir est-ce que c'était le Jannat al-Khuld ou bien Jannat al-Adn. Est-ce que c'était ils étaient au Jannat dans lequel on va retourner ou alors c'était un Jannat sur terre? Et si c'était un Jannat dans le ciel, comment est-ce possible que Shaitan soit rentré dans le Jannat pour parler à Adam et Ève? Vous voyez un peu la question? Donc, ils nous disent qu'il était rentré donc, dans la bouche du serpent ou alors qu'il était à la porte du paradis, qu'il aura fait ouest-ouest, plusieurs questions, plusieurs interprétations de ce type-là. Ensuite, « وَقُلْنَا هَبِطُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٍ » ennemis les uns des autres. Donc effectivement, comme Allah nous dit, « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا » Le shaitan est pour vous un ennemi, prenez-le donc comme ennemi. Naam. Naam. Et pour terminer, « فَتَلَقْ Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Allah Adam a reçu une parole. C'est-à-dire talaqqa, c'est comme si la parole est venue à lui. Ou alors on lui a appris une parole ou alors inspiré une parole de repentir. Et dans les tafsir, ils nous disent que leur repentir était sincère, les larmes qu'ils ont coulées pendant des années, ils nous disent qu'ils ont pas mangé, etc. un vrai repentir qu'ils ont fait. Quand tu fais un péché, un vrai croyant, quand il fait un péché, hein, comme on dit dans les hadiths, un hypocrite, quand il fait un péché, c'est comme une mouche. Pour lui, une mouche qui touche son nez et il l'enlève de sa main comme ça. Mais un vrai croyant, pour lui, un péché, c'est une montagne qui tombe sur sa tête. Alors, cette parole-là, quand on s'est converti au début, on avait entendu plein de choses, comme quoi c'était, il avait lu sur le trône, « La ilaha illa Muhammad Rasulullah ». Donc, il a dit cette parole et là, Allah lui a dit, comment as-tu lu cette parole? Il a dit, j'ai lu sur ton trône. Plein d'interprétations. Mais si on explique le Coran par le Coran, la parole qu'il a reçue, c'est dans Sourate Araf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Et cette parole-là, c'est, oh Allah, on s'est fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas miséricorde, on sera parmi le nombre des perdants. Et ça, c'est très important dans on pourrait dire, les ingrédients de la demande du pardon, c'est de reconnaître toujours ses torts devant Allah subhanahu wa ta'ala. Volamna anfusana, première des choses. Ensuite, tu demandes le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette parole, c'était ça. Fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Donc je voulais terminer avec encore un sujet. Encore une fois, je n'ai pas envie. Mon but, ce n'est pas de créer des polémiques, mais si on voit le sens du mot Rahim, donc je ne vais pas sortir les livres, je vais dire en résumé, il reste 5 minutes, 4 minutes, le mot Rahim, innahu atawwabur rahim. Bien évidemment, Rahim, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est le miséricordieux, on sait ce que ça veut dire la miséricorde, on sait qu'il y a une différence entre Rahman et Rahim. Rahman, en fait, même Ibn Qayyim, pour satisfaire tout le monde, pour ne pas rentrer dans la polémique entre Ash'ari et Salafi, on va rester dans le cadre où tout le monde est d'accord, c'est que Rahman, c'est un nom d'Allah Azzawajal. Personne ne peut s'appeler Rahman. C'est le nom d'Allah en lui-même. Par contre, Rahim, c'est, on appelle ça, sifat fi'l, c'est un acte. D'accord? C'est Rahim par rapport à Al-Marhum. C'est-à-dire que c'est un acte que Allah fait par rapport à celui à qui il fait miséricorde. Donc ça, même Ibn Qayyim, il le dit. Les savants Ash'ari, et on trouve dans, par exemple, Ta'rifat al-Jurjani, en fait, on te dit que la rahma, c'est iradatu al-khayr, c'est la volonté d'Allah de faire le bien. Parce que linguistiquement,
Rahim, ça veut dire riqqa, ça veut dire la douceur du cœur. Wata'attuf, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand on attribue ça à Allah, c'est compliqué. D'autant plus que, avant, la rahma, c'était vraiment une faiblesse, en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit tu es rahim, ça ne va pas, tu ne peux pas être rahim. Ouais. Et c'est pour ça que les mécréants de Quraysh, vous savez, ils quand on leur dit prosternez-vous dans le Rahman, ils disent c'est quoi ça Rahman? On ne connaît pas le Rahman. Et dans le pacte de Hudaybiyah, quand le prophète a écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ils ont dit Rahman, on ne connaît pas nous. Écrit Bismik Allahumma. Et subhanallah, quand on voit, quand je vous ai dit que les noms sont très importants, et le prophète sallam le savait, les Arabes le savaient. Si jamais il avait accepté qu'on écrive Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sur le pacte, ça aurait impliqué qu'ils sont obligés de pratiquer la rahma. Et ça, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ils nous disent que la rahma, en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la volonté de faire du bien pour les gens. Mais pas la riqqa. La riqqa, ça c'est pour un être humain. Riqqa, il peut l'avoir. Riqqa. Donc, je vous donne les références. Il y a, en fait, si vous voulez la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas si c'est clair là. Al-Ghazali, Al-Maqasid ou Al-Asna, fi Sharhi, Ma'ani, Al-Asma, Al-Husna. Ça, vous aurez l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, version Ash'ari. Et si vous voulez l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, version Salafi, donc c'est ici, d'accord? Et ici, l'imam Ibn Qayyim, il a écrit un livre qui s'appelle As-Sawa'iq al-Mursala ala al-Jahmiya al-Mu'attala. Le titre, ça veut dire les éclairs envoyés pour les, en gros, pour les Ash'ari. Et il a répondu, il a dit 10 arguments comme quoi Rahman, c'est dans le sens véritable, parce que les Ash'ari disent que donc Rahim, c'est au sens figuré, pas au sens propre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est juste pour votre culture générale, votre culture personnelle, à vous de faire vos recherches. Ça, moi, je fais encore une fois, comme pour le Dars, pour, quand j'ai parlé d'Allah se moque, c'est pour, je vous expose le patrimoine islamique, savoir qu'il y a, il y a deux choses différentes. Mais quand on voit, par exemple, aussi une référence ici, Mufradat Al-Faz Al-Qur'an de Al-Alam Al-Rarib Al-Asfahani, il faut poser la question au salafi, est-ce que ce livre-là pour vous est une livre de référence ou pas? Parce que lui, regardez comment il explique Rahim, c'est exactement comme j'ai dit. Donc il reste une minute. Donc on va s'arrêter là, inshallah ta'ala. Ala kulli hal, innahu wa tawwabur rahim. Allah est miséricordieux. La miséricorde d'Allah, elle est spécialement pour les croyants au paradis. Ar-Rahman, Ar-Rahman, c'est pour tout le monde, pour celui qui mérite et pour ceux qui ne méritent pas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous couvre de sa miséricorde, fit dunya wal akhira surtout, quand on est sa miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous permette d'avoir l'ilm nafi', d'avoir la science utile. Naam, la science utile. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, nastaghfiruka wa natubu ilayk, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin.